Ouais, Marco, Paris qui bat le FC Barcelone 4-0 et qui n'arrive pas à battre Toulouse. Est-ce que vous avez les explications ce soir? Oui, des fois quand tu joues des matchs comme ça en Champions League, c'est pour le match après, c'est toujours fatigant. Parce que comportement, c'est un match très mental, c'est toujours difficile. Et surtout, ça nous dépend de beaucoup d'énergie, on a beaucoup couru. Mais bon, aujourd'hui, Toulouse, il a fait que défendre, on n'a pas trouvé le but, on a vu l'occasion. On pouvait faire mieux, mais c'est toujours difficile. Comme cette année, quand on joue à la maison, c'est difficile de faire but. On n'a pas réussi. Et quand on arrive 0-0, que déjà c'est les 25 minutes, 30e des deuxième mi-temps, c'est toujours plus dur parce qu'il joue en 11 pour défense. Et c'est normal. Il a fait un bon point à Toulouse. On les félicite, mais nous, on pouvait faire mieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était surtout de la fatigue mentale et de la fatigue physique. C'est ce qui explique cela. Sur un match, c'est comme ça. Quand tu joues ce type de match, c'est toujours difficile de jouer après 3 jours. Mais bon, on a fait un bon chemin. On voulait prendre ces 3 points parce que c'était très important pour être un point de Monaco. On n'a pas fait. Maintenant, on se prépare pour le match à Marseille, et c'est très important pour nous et pour nos supporters. Vous pensez que ça allait être peut-être un tournant en Monaco qui faisait match nul à Bastia? Ça vous permettait de revenir à un petit point ce soir? Est-ce que c'est un petit tournant dans le championnat? Oui, bien sûr, c'était très important. Il ne reste pas beaucoup de matchs. C'était un match très important. On savait avant le match que c'était un match à gagner pour reprendre un peu de points à Monaco. On ne l'a fait pas, on est déçu, mais je pense qu'on est tous allés jusqu'à la fin. C'est bon, on pouvait faire mieux, mais c'était une semaine, je pense, très positive pour nous. On a gagné à Bordeaux, on a joué à Barcelone. Maintenant, c'est comme ça, c'est le football. Merci beaucoup, Marco. Vous avez été énorme, vous considérez ce que vous avez fait ce soir comme un exploit? Oui, c'était un bon match, toute l'équipe a travaillé dur, c'est vrai, c'était un très dur match, on n'a pas eu beaucoup de positions, mais on n'a pas lâché et on a pris un point. Ouais, on a eu le sentiment à un moment donné que Toulouse allait craquer sur la fin, et qu'est-ce qui vous avait permis de résister comme ça? On est costaud, on a une bonne équipe, physiquement on est très très fort, donc on peut courir 90 minutes et aujourd'hui, tout le monde, ils ont bien couru et bien travaillé avec un bon esprit. C'est la victoire des joueurs, c'est la victoire du coach aussi. Ça fait 2 fois face à Paris, au match aller, vous gagnez. Ce soir, vous faites un match nul ici. Les mots du coach ont compté aussi? Oui, bien sûr. Le coach, il a mis une bonne stratégie pour aujourd'hui. Et toute l'équipe, ils sont suivis, donc je suis content. Vous avez senti Paris fatigué ou pas? Non, pas vraiment. Je trouve que défensivement, on a fermé leur jeu, donc je ne l'ai pas trouvé fatigué. Merci beaucoup, Martine.